Du coup, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous revoilà sur le épisode suivant. Nous sommes avec Roro et Schizo. Nous avons récupéré sur la partie banco 1,170 millions. C'est parti pour une demi-heure d'impôt. Let's go. Et je mets l'argent à Roro et à moi-même tout de suite dans les 30 secondes qui arrivent. 1 million, tu m'as dit combien ? 1 million 170 000. Ouais. Ajouter 1 170 000. 1, 2, 3. Tac. Ouais, je suis revenu en négatif. Je suis revenu en négatif. En positif, pardon. Je suis revenu en positif. Tellement l'habitude d'être en négatif, le gars. 1 million 170. 1, 2, 3. Voilà. C'est bien, gros. Nice. Ça fait plaisir. Du coup, moi, j'étais en train d'essayer de charger mon plateau avant que je me rende compte tout simplement que mon plateau pourra pas être chargé. Parce que j'ai beaucoup trop lourd dans la carcasse. Oula, oula, plutôt calme. Alors, 3, est-ce que ça passe? Oui. Non, putain, 3, ça passe pas? Wow! Je suis monsieur l'équilibriste! Allez, boum. Faut que j'arrive au moins à mettre ça sur le plateau, là, ça sera pas dégueulasse. Putain, le quad, il va galérer à le ramener, quoi. Je suis sûr. Bonjour, bonjour, sur la taxe foncière sur les propriétaires non bâtis. Comment ça? Les gars, ils commencent à avoir de l'humour dans le chat, tu sais. Les mecs, ils mettent des taxes, et en plus, derrière, ils t'expliquent pourquoi ils mettent des taxes. Coucou, nous sommes les impôts. Je viens vous voir, parce que je suis la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Je viens vous prendre 10 000 euros, merci. 100 000 euros. Ah non, c'est 100 000 qu'il a attaqué. Ouais. Ah oui, c'est 100 000 euros qu'il a attaqué. Merci énormément, merci, 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 ça fait plaisir. Je connais pas cette taxe, je connais la taxe foncière, basique, mais je connaissais pas la taxe foncière sur les bâtiments non bâtis. Et c'est nouveau. Rembourse ton crédit, patron. Ah, bien vu. Bien vu, bien vu. Merde, encore heureux que j'ai une communauté parce que je me serais mis dedans. Voilà, on est pas mal. Tu veux pas des radis oléagineux? Non, tu mets pas des radis, tu mets de l'herbe. Qu'est-ce que tu veux que je fasse des radis, moi? Radis, c'est pour fertiliser. Il s'est vautré. Tu t'es vautré. Mais non, j'ai pas encore commencé. Ah ouais, j'allais dire, il s'est vautré, il a semé des radis. Ah, le gars, il est mauvais. Il a semé des radis. Vu que vous venez de toucher, me voici, impôt sur le revenu bénéfice de la taxation agricole. Ah là, d'ailleurs, là, c'est plus rentable. Là, on est d'accord. Et encore 100 000 euros. Ah ouais, non, mais les mecs, ils vont nous remettre un moins million, là. Putain, mais calmez-vous, bordel de merde. Pourquoi tant de haine, quoi? J'ai rien à acheter, là, pour le moment. J'ai surtout à rentabiliser et à démarrer mes vaches. C'est pour ça que je ramène l'ensilage tout de suite, quoi. Fais comme moi, j'ai fait un tableau avec 10K, 50K et 100K, comme ça, quand ça tombe, je mets un bâton. C'est vrai que c'est pas con. Georges a trouvé une façon de modérer le problème. C'est vrai que c'est pas con du tout, c'est même plutôt intelligent. Kali, il va te dire que s'il est là, bah moi, je prends le rediff. Je prends le rediff de la une demi-heure derrière, tu vois, le petit truc quand t'es modérateur qui te dit combien ça a tapé. Et il le balance à ChatGPT et il lui demande le résultat. Je suis sûr qu'il fait ça. Je suis sûr. Oh putain. Putain. La remorque, elle peine. Hey chef, la remorque, elle galère un peu, c'est normal. M'étonne. Ah ouais, elle galère même fort. Bien vu faire avec le tableau. Ouais, c'est une bonne idée le tableau. Il est un peu lourd, je pense, pour le machin. Attends, parce que du coup, il m'en manque un là. Merde, hop. Tac. Eh, je vais charger mon plateau correctement. Merde. Bon, le quad il va souffrir sa mère, mais. J'ai que ça en plateau, hein. Vous foutez pas de ma gueule, j'ai pas le choix, j'ai que ça. Tu vas me dire, ah, Schizo, t'as de l'argent, achète un plateau. Oui, mais non, mais j'avais pas en avoir besoin. Normalement, j'en ai pas besoin de plateau. J'ai la cuvalée, j'ai tout ce qu'il faut. J'avais. Ça va être en room. Ouais, après ça va être en room balleuse et j'ai l'arcussin. Décroche gentiment. Décroche gentiment. Hop. Attends. Chef. Chef. Un problème. Alors, est-ce que ça a pris la dernière balle là où je suis toujours pris dedans? Non, c'est bon. Voilà. Alors, nous sommes des professionnels, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Veuillez vous installer confortablement. Des professionnels. Oui, c'était pour pas dire professionnel, parce que sinon j'aurais fait un lapsus. Oh, au moment où je dis ça, je fais des conneries. Putain. Oh, c'est de ta faute.
Ah, c'est clair. C'est toujours de ta faute. La map, mais c'est de ma faute. Tu sais, du reste, on approche de l'heure du crime. L'heure du crime. Quelle heure du crime? Ouais, celle où je commence à rentrer dans tout ce qui bouge. Oh, tu me fous la paix, j'ai pas le temps. Ouais. Il y en a qui ont un métier. Putain, je peux pas l'empiler par-dessus, j'ai pas assez de place. Bah, je vais la prendre en double. Hein. Super RP. J'ai essayé, je suis désolé. Bah, c'est RP, là. Ouais, les agriculteurs, arrêtez de me faire rigoler, c'est pas RP, moi. Je vous vois placer avec les plateaux devant la maison, hein. Ah, les mecs, là, 40 mètres de haut, là, pour un plateau qui fait 3 mètres de large. Hein. Dites-moi qu'un de ces quatre, vous avez jamais abusé pour charger vos plateaux. Non, okay. Je comprends, t'es. Moi, j'ai eu à buguer. Arrêtez vos conneries, t'es. Tiens, du reste, ça me fait penser, tu m'as enlevé mon herbe. Ton herbe? Oui, ah, ton désherbant? De me désherber, ouais. Ah non, non, non. Non, non, je savais pas qu'il fallait désherber. Tu me l'as pas oui, dit. Oui, il y a deux épisodes en arrière. Ah bon? Ouais. À ce moment-là? Oui, oui. Bah, t'attendras un épisode de plus, t'es plus après, quoi. J'ai mes vaches à m'occuper, tu m'emmerdes, toi, avec ton désherbant. On n'a pas avancé le temps, de toute façon. Alors, moi, je vais. Sur le tracteur, quand même. Ah? Alors, peut-être que t'accroches le plateau sur le tracteur parce que. Je sais pas, on va essayer avec le quad juste pour le fun. Oh là là, déjà, regarde, tu vois. Juste avec deux balles, déjà, je suis arrivé à me casser la gueule, quoi. Un truc de fou. Ça va bien se passer. Il va falloir sortir la mélangeuse, là. Il va falloir qu'on fasse du mélange, d'ensilage, de la ration RTM. Je sais même pas où on les nourrit, les vaches, sur ce truc-là. Déjà, on n'a pas besoin de flotte, ça, c'est sûr. Il va pas falloir que je te le plombe aussi, le machin. Ah, si, il va falloir que tu le plombes. Tu m'as envoyé la facture là d'ailleurs? Envoie-moi la facture là, j'ai des sous pour te payer. Attends, alors ça sera plus que 750 hein, parce qu'il n'y avait pas le plombage dans le devis. Moi j'ai fait tout à 1200, ça coûtait 1200. T'sais. Vous avez vu l'enfoiré? Rappelez-vous. Je vous jure que sur l'épisode, vous avez un doute, vous irez voir l'épisode d'avant. Ah, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit le total avec plombage, labour, plombage, semi, il y en a pour 1200 euros. Il m'a dit, ouais, je te le fais à 750 euros, il n'y a pas de problème, mon schizo. Et là, il me dit, ouais, mais j'avais pas calculé le plombage, du coup, je te ramène à 1000 euros. Regardez-moi ce banquier de mort, là. Le truc de ouf. C'est même pas vrai. Ah, mais je suis sûr de ma connerie. Mais sûr à 99%. Ah, je te confirme. Ah, moi, je suis sûr. Confirmé. Ah oui, regarde, tiens, il y a Jérém, il dit, c'est vrai. T'es. Ah oui. Ah ouais, non, mais je suis sûr et certain de ma connerie. Là, tu m'as tendu une perche. Franchement, c'était tellement joli que je l'ai apprécié. T'sais. Non, non, mais c'est pas des conneries, c'était la totale vérité. J'avais tout montré, j'avais essayé même de... J'ai même galéré à trouver ce que j'avais besoin. Ah, là, Ro qui dit, ah merde, putain, perdu 350 euros sur la gueule. Problème de riche. Problème de pauvre quand on commence à ergoter pour 350 euros. C'est ça. Du coup, alors attends, bouge pas, moi je suis où? Putain, il faut que je ramène le Zetor aussi. Ah, j'ai encore de la chaux à ramener aussi. Oh, j'avais oublié la chaux. Oh putain. Ah, quoique la chaux. La chaux. Et vous croyez pas que la chaux elle rentrerait dans le coffre du 4x4? Ah, je pense que. On la tenterait? Eh, moi on la tente. Eh, ça va être l'épisode, on va faire des conneries. On va la tenter, bouge pas, j'arrive. On va rigoler 5 minutes. Garde les pierres pour en faire de la chaux. Bah on peut pas ici en fait, on n'a pas la... On a ni le mode, ni le truc qui va bien pour le faire en fait. Donc on va se démerder sans. De toute façon j'ai un transpal à aller chercher aussi. Donc, je vais pas faire un aller-retour pour rien. Hop là. Allez c'est parti, on va aller chercher ça. On va mettre un sac de chaux dans le cul du quad. Je pense que ça sera pas dégueulasse. Et on va reprendre les deux autres avec le mien. Et après, je vais aller faire le pulvérisateur à rouleau partout sur ces champs pour le désherbage. Et on peut-être enfin. Non. Pas partout. Pas partout? Pourquoi pas partout? Seulement là où il y a besoin. Bah, il y a besoin partout. Bah, je vais pas te payer pour un boulot qui a pas besoin ou bien. Non, quand même, faut pas pousser. Bah, t'auras besoin automatiquement partout, non? Non? Bah, oui, mais si les mauvaises herbes sont pas popées, ça sert à rien de le faire en préventif. Bah tu peux le faire en préventif avec le DLC précis. De toute façon la chaux que tu la passes. Oui. Ça ferait. Ouais, c'est possible ça. Ouais. Oui, vu qu'une fois que tu fais la chaux, il va te compter comme quoi ta chaux a été faite. Non mais je te ferai pas les champs que t'as labourés de toute façon.
Au pire des cas, ça ira très bien. Ok, d'accord. Les champs que t'as labourés, je vais pas les faire parce que ça fait pas pousser la mauvaise herbe. Non, mais je savais pas si c'est. Je savais pas que tu pouvais le faire en préventif en fait. Si, si, tu peux le faire en préventif. Moi, je suis en train de délirer avec le quad, t'es. Record du monde, combien on peut mettre dans un quad d'après vous? Oh, bah, tu peux charger ce qu'ils ont, y a pas de problème. Hein. 40 balles avec une petite benne et tout ça. Je suis tellement pauvre. Hop là, ça sent la merde, chef. Pourquoi ça sent la merde? Ouais, ça sent pas la merde. Ça sent bien. Garde, c'est qui a laissé encore ces semences là en plein milieu là qui me font chier là? Hein? Oh, mais fous-leur la paix, putain. Moi j'ai plus que les semences là-bas. Tu vas pas me faire chier ou bien? Comment ça, je vais plus me faire chier? Bien sûr que je vais te faire chier. Ouais, tu vas te calmer, tu prends tes gouttes et tu te calmes. Je peux pas bosser là, ils me font chier tes semences en plein milieu de mon truc en plus. Ouais, tu les pousses sur le côté, je sais pas, moi t'improvises. Oh bah si je les pousse, tu vas jamais les reprendre, t'es. Bah, je m'en fous, je viendrai avec le semoir juste à côté, je fais charger, puis on remercie. Ouais, sauf que t'en as 8, ça m'étonnerait que t'aies les 8 rentrent d'un coup, t'sais, dedans. T'es. Bah quoi que t'as beaucoup de semis à faire, tu vas me dire. Oh putain. Allez, qui... Ouhou, c'est bon, ça passe. Ah, bien se passer. Le goudet, ouais. Goudet. Pourquoi ça sent la merde, Chris? Dis-moi. Dis-moi tout. Arrête le café, commence le thé. J'avoue, ça pourrait être intéressant. Un peu trop nerveux, là. Jack le Russell. Le godet, normalement, il est à schizo. Le Le godet. Le godet, il est à moi, ouais. Je vais aller l'emmener, là. Enfin, je vais aller le chercher. Sur les bottes, Ah oui, c'est vrai, j'aurais pu le prendre le... Ouais, j'aurais pu le poser sur les boîtes, ouais, c'est vrai. J'ai pas pensé du tout. Bon, c'est pas trop grave, mais... Moi, j'ai un aménagement de... J'ai un aménagement de ferme qui est dégueulasse. Faudrait que je mette en off, j'essaye de me faire un petit peu de... d'aménagement de ferme, quand même. Ranger le matériel, c'est quand même... dégueulasse. Passe dans l'ensilage pour le café, pour le tasser. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a encore ça à tasser avant de passer la journée, hein. Putain, on se sent plus sur cette carte, on va jamais passer le temps. On va jamais la passer cette journée. J'ai même pas fait encore la mélangeuse. J'ai même pas fait une mélangeuse pour mes animaux, comment te dire. Mais là c'est normal parce qu'on a tout en même temps, on a fait les récoltes, on a les semis à refaire. Après qu'on va avancer, ça va commencer à décaler les récoltes et là ça sera mieux. Ça sera beaucoup mieux après là. Hop là. Tac, ça c'est fait. Ah, le seul truc que je vais laisser ici, c'est comme Roro en fait. L'épandage en grès. Enfin, pour l'épandage à. Du JID. Pour le désherbage. Ce sera assez propre. Et merci, El Tiki 32 pour le follow. Merci beaucoup. Je sais pas combien il est dans silage en plus d'ailleurs. Je crois qu'il est pas si. Pas si tassé que ça. Fais voir. Là, vous n'allez pas forcément le voir, mais... Ouais, c'est ce que je vais faire, je vais tasser. Il a 23%. 23%, je vais prendre... Ouais, je vais prendre l'ancileuse. On va tasser avec l'ancileuse, ça sera très bien. Bon, du coup, lui, il va rester là. Elle est très bien. Laissez là. On va aller chercher le quad. Le père quad, il est où? Ah, j'ai encore les étangs à ramener. Ah ouais, putain, j'avais oublié. Alors, attention, mesdames et messieurs, c'est parti. Le quad le plus puissant de l'univers. Le Gidégator. J'ai 25 000 litres d'ensilage et 2000 litres de chaud dans le coffre. Putain, et puis je vais chercher les poteaux. Attends, bouge pas parce que... Je vais essayer de se ressangler tout ça. Voilà, c'est bon. Je vais ressangler la dernière. Patron, on fait un black tasse avec la moissonneuse. Un black quoi? Un black tasse? Qu'est-ce que tu me parles? J'ai pas compris. Tu tasses avec la moissonneuse, comme ça va plus vite. Non, mais avec l'ancileuse, ça suffira. L'ancileuse est plus lourd que la moissonneuse. La moissonneuse, elle est vraiment fine. Je suis pas sûr que ça me serve à grand chose. Non, mais ça va être bon. Une blackie. Ah, une blackie. Ah oui, c'est vrai. On va retrouver sur le toit. Ça va être le seul qui va être capable de me mettre encore une moissonneuse sur le toit. J'ai pas le talent à la blackie, moi, je suis désolé. Pour ceux qui ont pas la ref, il faut aller voir la saison 2. La saison 2 de. De la série sur YouTube. Blacky si nous avait foutu la moissonneuse sur le toit carrément. En voulant tasser un silo. Non, toi, non. Toi, t'as trop de talent, justement. T'as vraiment trop de talent pour ça. Hop là.
Alors, est-ce qu'on ferait pas une mélangeuse? Je sais pas où on met la paille pour nos vaches, là. Je suis à 1 473 000, Axel. C'est ça. Ah, ça y est, c'est là. D'accord, ok. Donc, il faut les faire tomber d'en haut pour les ramener ici. Donc, nos vaches, il nous manque de quoi? Allez, c'est parti. On regarde, les vaches, enfin. Il leur faut de la paille, la RTM, la MMM, les GG. Ça va être sympathique. Productivité zéro. Et c'est des Angus en plus. Du coup, on peut les vendre tous les jours. Donc, ça va pas être dégueulasse. Niveau budget, pour vous montrer, moi je suis à 746 000, il a 1,4 million. Voilà. Mais là, on est en mode impôt. Ça veut dire que si vous dépensez les points de chaîne, vous enlevez des sous à moi et Roro. Voilà comment ça se passe. Maintenant, si vous avez envie de dépenser des doux ou des trucs comme ça, vous pouvez cibler sur un personnage bien précis. Avec des bits, des dons, des subs. C'est vous qui choisissez, il y a 250k par barre pété. Je sais plus à combien elle est la barre, je crois qu'il faut 47 points maintenant pour faire péter la barre. C'est 47 points. Ça commence à devenir haut la barre là. Ça commence à devenir haut. D'ailleurs on est au début de mois, on aurait pu la reset. La Roro qui va me dire non, non. T'as vu à combien tu l'as mis? Tu la reset pas, c'est hors de question. J'ai rien dit. Mais t'as pas besoin de parler. Heureusement que tu l'as pas reset, hein, parce que moi ça va faire sacré. Ah bah oui. Ah oui, carrément. Ça t'en fait un paquet là. Ouais, 300, par exemple, paquet. Ah. Et salut Knight. Bonsoir à tous, bonsoir à toi. Tiens, Roro, dis bonjour. Il te fait plein de petits emojis avec des cœurs. Bonjour, bonjour. Oh, j'ai niqué toute la paille, t'es sérieux? Allo Houston. On a un problème. Comment te dire que encore toute la paille qu'on a fait, il n'y a pas assez. Oh, t'es sérieux? Ah ouais. Non. Ah, c'est moche. Non, je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté. Attends, on va virer ma moissonneuse de là. On avait viré le grain? Non, on l'avait pas vendu encore le grain. Mais comment tu vas faire ta RTM? Oh, ma RTM, c'est bon, t'inquiète. Si, j'en ai en face, là. J'en ai à côté. Excusez, au pire, tu gardes ta paille pour faire... Tu gardes ma paille pour... La RTM au démarrage. Au pire, tu n'auras pas de fumier, c'est tout. Ouais, mais je pense que je devrais m'en sortir avec ce qui reste en paille. Et puis, normalement, ça devrait le faire. Normalement. Je vais voir, on va voir. On va faire les mélangeuses. On va regarder combien de mélangeuses ça me bouffe, tout ça, là. Ça devrait pas être trop dégueulasse, je pense. Ouais, c'est des petits balaos aussi, ouais, mais je m'attendais pas à cramer autant, en fait. Je m'attendais à en cramer 10, tu vois. Et là, j'ai plus de récolte à paille, donc malheureusement, ça va être compliqué. C'est le bordel. Est-ce que t'es sûr que c'est le bordel? Hop là. Moi, ça va être le bordel à la fin de l'impôt. À la fin de l'impôt, ça va être le bordel pour toi? C'est ballot. Ouais. Ça va surtout être... Non, moi je suis pas mal, franchement. Oh man, Light. Ça devrait bien le faire. C'est quoi que je voulais aller chercher, moi? Ah oui, c'est la fourche à balles. Pour pouvoir perdre ce qu'on a besoin. Alors là, il faut pas se gourer dans les mélanges, par contre. Vraiment pas. En plus, on n'a pas de compléments minéraux. Bon, ça tombe bien. Dans le mode, on n'a pas forcément besoin, tu sais. Allez, hop. Un petit coup de paille dedans. Pourquoi j'ai pas le... Oh. Pourquoi il me le prend pas en considération, ce petit con? Ah, parce que j'ai pas de véhicule d'accroché. Ah merde, j'ai pas de véhicule d'accroché, du coup il veut pas me donner le tableau. Vous voyez, je m'attendais à avoir le tableau, tu sais. 45 vaches, ça consomme mon paille. Ouah, ça va. Après, je vais plus consommer d'engrais, c'est ça qui est bien. Enfin, je vais plus consommer d'engrais. Je vais consommer de l'engrais organique. Et plus de l'engrais... tu vois, chimique. L'engrais chimique. Ça va être complètement combien différent. Combien vous pariez que les factures resteront au même tarif? Bah bien sûr qu'elles resteront au même tarif. Bah oh, tu te fous de ma gueule, c'est un moyen de rentabiliser avec les vaches. Tu crois quoi? L'autre il est en train de gratter, tu sais. C'est pas parce que c'est de la merde de vache que c'est pas du fertilisant, hein. Ah non, pour toi il continuera à mettre du chimique, il gardera pour lui pour le... Ouais, moi organique. Je garderai pour moi en organique, je ferai du bio et toi je ferai du chimique. Voilà, t'as bien raison Aurel, merci de m'avoir fait penser comme ça. C'est pas dégueulasse. J'avais pas pensé.
Ah, et que j'avais pas pensé comme ça. Look. Hop là. Petit coup d'ensilage. Alors pourquoi j'ai mis de la paille? Juste parce que ça m'éclate de mettre de la paille à chaque fois. Eh, tu vas pas me dire qu'avec une balle j'arrive pas à la porter quoi. T'es en train de te foutre de ma gueule toi. Ah si, j'ai pas la masse. Putain. Eh, tu fais bien du bruit avec ton gilet hein. Plus de bruit que ça avance hein. Mon petit MF là, le porc. Valet de ferme là. Avec ses petits roufines. Travaille partout le MF. Hop là. J'ai le Zetor à aller chercher aussi d'ailleurs. Putain, faites-moi rappeler de ramener le Zetor. On va être dans la merde. Hello, hello. Comment tu vas? La forme. On peut mettre le Zetor sur la mélangeuse. Je sais pas si le Zetor il passerait sur la mélangeuse. Ah, peut-être. Peut-être, peut-être. Alors, ça donne quoi là? Ça donne quoi? Bah, on est pas mal. On est pas mal, mais on est pas plein. Ça va et toi, chef? Bah, ça va, ça. Attends, bouge pas, on va aller chercher les étoiles, du coup. Je vais décrocher ça. Hop, je vais mettre le classe ici. Il faut absolument qu'on dépense un tout petit peu d'argent, quand même, pour des silos, tu vois. Enfin, pas des silos, des... comment ça s'appelle? Des... Merde, des espaces de rangement. Ça pourrait être pas dégueulasse. Allez, les étoiles. Hello, hello! Comment tu vas? Allez, Zou! Merci pour le Prime, 5e mois d'abonnement, merci beaucoup! Qui fait avancer cette petite barre? Elle avance gentiment, merci énormément! On gare! Ouais, on gare, ouais! Un Hongrois! Qu'il faut garer, pardon! Petit Zetor avec la mélangeuse, je suis même pas sûr parce que la mélangeuse, il faut plus de 25 chevaux pour la tirer. Tu sais que malheureusement, à part le plateau, peut-être que je pourrais tirer avec le Zetor. Je vois même pas ce que je peux tirer avec. 6 minutes, patron, avant qu'on se prenne la douille. 6 minutes. 6 minutes avant qu'on prenne la douille. Ouais. Ah, faut que je réfléchisse intelligemment, là. Ce qui est pas forcément mon cas. Ah, tu l'as dit tout seul. Ah, non, mais je le dis avant que tu le préchotes. C'est juste comme ça, ah, tu non, vois. J'ai rien dit, moi. J'ai même pas pensé, tiens. Il a pensé tellement fort que ça m'a pété dans la tête, t'es. Quel jeu d'acteur, le garçon, quel jeu d'acteur, je vous jure. Moi? Non. Je n'oserais pas, quand même. Non, mais absolument pas. Je suis pas un gars comme ça. Je suis suisse, mesdames, messieurs. Comment voulez-vous que je sois? J'ai eu qu'une éducation correcte. Je suis pas français, je suis pas mal poli, tu vois. Exactement, t'as tout compris. Hey, mais ah, c'est ce qu'il dit, le mal poli, tu sais. Il t'emmerde. Voilà, le mal poli. Déjà 5 mois après des années de YouTube, c'est pas mal, j'avoue. Puis moi je lag comme un gros porc là, je sais pas pourquoi. Hop là. La vue intérieure de farming. Alors que y a rien de plus à générer, mais la vue intérieure de farming qui avait décidé de déconner. Achète la barre de coupe de l'herbe pour l'ensileuse. Pourquoi? J'ai une enrubaneuse, pourquoi tu veux que je me fasse chier avec la barre de coupe direct? Oui. J'ai pas compris là. Est-ce que j'ai loupé un tips ou quoi? Mais je pense pas. Ah, la mélangeuse elle peut être tirée par le Zetor. C'est peut-être pas lui. Lui il a peut-être pas vu que t'avais la. Vous n'avez pas de prise de fort requise pour l'équipement. Je peux pas. Même là je peux pas. Je peux le décharger. Là je peux même pas le décharger. Ça marche pas. Ah non? Non, ça marche pas. Je peux même pas décharger, je suis dégoûté. Mort de rire des barres. Pour justement que tu te fasses chier, mort de rire. Mais non! Pas que je me fasse chier. C'est pas le but du jeu de m'emmerder, hein. Vous me cassez assez les budgets comme ça, hein. Vends le Zetor. Non, regardez en décor. Ça coûte 10 000 euros. Et pas 10 000 euros près, quand même. Le Zetor, il va être sympa en déco. On et peut tirer la petite presse. Du grand air. Eh! Tiens, on va le mettre dans les buissons, comme ça. Vendez pas le. Ouais, vendez pas le. Vendez pas le tracteur du grand-père quand même, mon dieu. Salut Papix, suprême. J'ai une question, j'ai un sacré bug. Je peins et les cultures ainsi que l'herbe ne disparaissent pas. Et ça, peu importe la map. Bah, c'est pas un bug en fait. Et si tu peins. Ah bah si, ça devrait disparaître. Bah, je pourrais pas te dire. Alors là. Aucune idée, mon cher ami.
Moi, j'avoue que... Bon, le action pour les gros travaux, je dis pas. Mais là, quand même, c'est un peu abusé de prendre le action pour donner... Je pense qu'on pourrait vendre le MF et reprendre... Sinon... Putain, je suis en train d'hésiter. Je suis en train de faire une connerie dans ma tête. Parce que là, je le trouve un peu gros, le action. Ça va bien pour les pressages et tout ça. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin pour... Il n'y a pas besoin pour un valet de ferme, tu vois. Il est quand même assez gros, quoi. Pourquoi ça décharge pas, là? Qu'est-ce qu'il me fait, l'artichaut, là? Décharge le cochon, là. Cochon, nous, le bon saucisson, comme on aimait chez nous. Tu vas me dire que c'est plein? Ah non, c'est pas plein. J'ai mis que 203 litres. Qu'est-ce que tu me fais, toi? D'accord. Ok, alors, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'a pas plu? Ça marche plus. Oh, Houston, on a un problème. Non. Pourquoi je ne peux plus décharger ma RTM? C'est quoi ce bug de merde? Ouais, c'est ce que je suis parti faire. Je teste à l'envers. T'es pas dans le bon sens. Ah, tu crois? T'es sûr? C'est pété. Ça arrive souvent que c'est pété avec moi. Je casse tout, t'as raison. N'importe quelle carte, je vais la casser. T'es. Allez. Bah non, ça me le donne plus, le trigger. Qu'est-ce que j'ai glandé? Activer la mélangeuse. On va l'activer quand même. On va regarder si c'est ça qui aurait déconné. J'ai mis 203 litres. Ah, RTM. Bouge plus! Ça décharge? Ah oui, ça décharge. Bah non, ça décharge dans le mur. Mais bon, ça décharge quand même. On va pas toucher. On va regarder. RTM. Ouais, il faut en faire quelques-unes, là. Allez, let's go. On va en faire deux, hein. Je pense qu'avec deux, ça sera bon. Une minute. Une minute avant la fin des impôts. Donc ne claquez pas vos points de chaîne. Gardez-les pour les avantages de budget. Voilà, ça sera très gentil de votre part. Merci beaucoup. Nous avons besoin de budget. On va se prendre combien là? 500, 600 000? C'est ça? Ah, moi je pense qu'on va se prendre le million. Hein. Non! Non, 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 il n'y a pas eu ces. Je pense pas qu'on va se prendre le million. Hein. Pas sur le coup. Oh, j'ai eu peur. Hello qui m'a fait une frayeur là. Et je pense pas qu'on ait le million. En tout cas, mes vaches, moi je serais presque prêt à partir d'une journée, moi. Je sais pas où t'en es, toi. Tu m'as fait ma... T'as quoi? Ah non, ton herbicide, je l'ai pas fait encore. Je vais le faire juste après. Mais oui, une fois que t'as fait l'herbicide, pour moi, on peut passer une journée, oui. Oh, mais ça sera impeccable, on sera sur un timer parfait. Parce que là, ça sera la dernière demi-heure sur les bancos après la suite. Ce sera pas mal. J'ai plus de points à cause d'Eurotruck de vendredi. Ça, c'est pas de ma faute, hein. Ah, moi, je me suis pas planté. Il fallait croire en moi. Voilà. Je sais que vous avez besoin de les points de chaîne, donc j'avais fait un peu plus attention. Du coup, oui, il y en a quelques-uns qui ont perdu pas mal de points de chaîne avec Euro Truck. Oh putain. Et ça va, t'es pas un barbare, Schizo. Non, c'est RP ce que tu fais. Oui, c'est totalement RP. Alors, tellement RP que la machine elle va s'envoler dans 10 secondes. Hop là, nice. Voilà. Non, tape pas la botte. Oh là 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 là. C'était un peu limite là. C'est plus le banc qui va faire peur au patron, c'est les points de chaîne en impôts. C'est ça. Moi, j'ai pas perdu de points de chaîne, j'ai perdu 100 subs. Comment ça? Ah oui, toi, t'as perdu 100 subs. Oui, oui. Oui, mais bon, on avait pas parié. Moins 250k, tu crois? On a que moins 250k? Non. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Bah, je pense qu'il y avait ça un peu plus quand même, ça me paraît bizarre. Ouais, moi ça me paraît un peu peu aussi. Stop au point de chaîne, c'est complet. Hop là, on allume les deux. La pause des points de chaîne pour le moment. Ah, un café. Merci Marcus pour le café. Ah bah ouais. Merci, merci. Moins 250k. Oui. Voilà, t'as Poucave. C'est pas bien de Poucave, tu sais pourquoi? Parce que du coup, je peux pas dire à YouTube, bah, pour avoir le résultat, vous irez voir le prochain épisode. Du coup, tu m'as niqué l'entertainment pour YouTube. Voilà, ils iront pas voir le prochain épisode. Tu verras. Il y aura moins de vues à cause de toi. Donc, vous avez compris bah la suite. Ouais. Bah, j'ai merdé.
Nous sommes bien sûr... moi j'ai 746 000 et Roron a 1 473 000. On fera les décomptes sur le prochain redémarrage d'épisode. Voilà. YouTube, on se dit à la prochaine avec Ciseaux. Ciao, bonsoir, des bisous, commentaires, j'aime, merci pour tout ce que vous dites en commentaire. Merci énormément, ça fait plaisir. Hop là!